Bonjour, je m'appelle Andréane et je suis en compagnie de Justine, Laurence et Charlotte. On est représentantes des Pieds Légers et des Bons Hommes, donc représentantes de la danse traditionnelle à Laval. Aujourd'hui, on va vous faire une capsule danse de famille. Les capsules sont diffusées sur la page Facebook de Signé Laval. Il va y avoir 7 capsules différentes qui vont être diffusées à toutes les semaines. La capsule actuelle, danse de famille, va contenir 3 danses qui vont être enseignées par Charlotte et moi. Il va y avoir 2 danses québécoises et 1 danse internationale qui vient du Portugal. Donc, on va commencer à l'instant par la danse « Je m'en vais au marché ». Je m'en vais au marché lundi, c'est pour acheter des têtes. La première danse de la capsule, c'est une danse québécoise qui s'appelle « Je m'en vais au marché » du groupe Suroi. La danse, là, dans cette danse-là, on va aller acheter plein de parties du corps. Donc, on va aller chercher des têtes, des cous, des bras. Mais c'est plutôt comme une danse de réchauffement qu'on va bouger tout notre corps avant de faire les 2 danses de la capsule. Donc, on va commencer en se mettant un petit bonhomme et en faisant des rebonds. Puis là, après ça, on va entendre sur la musique va un peu changer de rythme. On va se lever. Puis, on va tourner vers notre droite 2 tours. Vers notre gauche. Puis là, on est au marché, on a des sacs d'épicerie. Ils sont très lourds, donc là, on va bouger les bras. Parfait. On s'en va acheter des têtes. Donc, on va commencer, on va marcher. On a encore mal aux bras, on les bouge. Et là, on bouge notre tête dans tous les sens. On tourne et on s'aligne. On va marcher sur le côté. On recule. Là, maintenant, on va aller s'acheter des coups. Donc, on va recommencer. Mais juste avant, j'ai oublié, on va faire un tour sur nous-mêmes. Avant d'aller s'acheter des coups. Donc là, pour aller s'acheter des coups, il faut encore marcher. Nos doigts, ils sont encore fatigués. On les bouge. Et là, les coups, on pointe notre cou. On va faire un tour sur nous-mêmes. On fait un salut. Et là, si on veut, on peut varier, on peut faire des chassés à la place. Donc, on va chasser vers notre droite. 1, 2, 3, 4. 1, 4, vers notre gauche. Puis, on peut s'amuser là, faire ce mélangeant, aller de tous les côtés. Puis, on tourne ce mou par la suite. Après, on va aller s'acheter des bras. Quand on veut s'acheter des bras, le mouvement va être de lever les bras et de les bouger comme ça. Puis par la suite, on va aller s'acheter des pieds et des jambes. Donc les pieds, c'est on tape du pied. Et par la suite, on bouge les jambes. Puis là, je me suis un petit peu mélangée. Donc quand on s'en va s'acheter des coups, après ça, on n'oublie pas, on a déjà des têtes. Donc il faut, dans notre panier, donc il faut aussi bouger la tête. Donc ça, c'est pour la partie des coups et des têtes. Quand on va s'acheter des bras, on va bouger les bras. On va toucher notre cou et bouger la tête. Puis par la suite, quand ça va être les pieds et les jambes, on va faire aussi, on va continuer comme dans la chanson « L'arbre est dans ses feuilles ». Donc on va partir du dernier qu'on a vu jusqu'au premier. Donc on va faire les pieds. Les jambes, les bras, les coups et les têtes. Puis là, par la suite, on marche, on peut aller dans n'importe quelle direction, on s'amuse,
Puis si vous êtes plusieurs, puis c'est une personne qui montre aux autres, vous pouvez les mélanger puis marcher partout, 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 le plus loin possible. Juste, l'important, c'est de s'amuser en faisant cette danse-là et de bouger le plus possible. Donc là, on va le faire avec la musique. On commence en petit bonhomme et on peut faire des rebonds. On recule, on fait les mêmes trois pas, et là on va taper dans les mains de la personne en avant.
si on ne le fera pas pour la même raison que je viens de dire tantôt, on ne peut pas s'accrocher trop. Mais si vous êtes à la maison, vous pouvez vous taper dans les mains de la personne devant vous. Donc, on va faire juste ça ici, le deuxième pas. C'est parti. 1, 2, 3. Tap, tap, tap. On fait les deux ensemble. Et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent. Et ça, on va faire ça deux fois dans la tête. Donc, on essaie ça les quatre ensemble. C'est parti. 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 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
La troisième danse de la capsule s'appelle la valse des cerfs-volants. C'est une danse québécoise, puisque c'est sur une musique très lente. Donc, je vais vous montrer le pas de valse. Donc, c'est un pas en trois temps. Ça fait 1, 2, 3, 2, 2, 3. On peut le faire de côté, en avançant. Je fais dans mon fer. On va aussi le faire vers l'arrière, bien, en faisant un petit pas de côté, là, comme en amenant le pied vers l'arrière. On va aussi le faire en tournant. 1, 2, 3. On peut le refaire. On peut le faire aussi de l'autre côté. 1, 2, 3. On va aussi le faire en reculant, en avançant. Donc ça, c'est le pas de valse de base qu'on va faire en se déplaçant dans un cercle. Vous voyez, j'ai des petits foulards ici, donc je vous invite à aller les chercher pour faire la danse avec nous. Puis moi, je vais avoir trois collègues qui vont faire la danse avec moi, puis on va aussi avoir Elisabeth qui va être là à la musique pour jouer la pièce avec nous. Donc, on va la faire en cercle. Je vais vous montrer la chorégraphie à l'instant. Donc, on va commencer en mettant, là, nous, on ne peut pas se toucher, donc on va juste étendre nos bras, puis on va marcher vers la droite avec le pas de base 4 fois. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 de côté. Et un petit peu d'accord. Et on recommence. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. OK, là on va se préparer, on a tous nos bras au centre. On va marcher, on va amener les bras extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. On va juste faire ça. On y va. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Là on a nos bras ici, on va se donner un élan, on va tourner. 1, 2, 3. On va reculer. Reculer, avancer. Reculer. On fait un dernier pas pour se préparer, remettre nos bras au centre. On refait exactement la même chose. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3. On tourne. On recule. On avance. On recule. Et on se prépare. Et on recommence du début. On va continuer. On y va? Let's go. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2, 3, comptez. On recommence. Comptez. Et on se prépare. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, on tourne. Recule, avance, recule. Donc la danse se répète plusieurs fois comme ça. Et
En préparant la capsule pour aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il nous restait encore une dizaine de minutes à vous faire danser. Donc on ajoute deux nouvelles danses sur notre plan original. Une première danse de la Bolivie et une deuxième danse de la France. Alors, on commence aujourd'hui avec la danse bolivienne Chilele. Donc, c'est une danse qui se danse à deux. Donc, on est toujours face à un partenaire. Imaginez donc qu'il y a quelqu'un devant moi ici. Et on est deux grandes lignes qui font face et on danse toujours avec la même personne devant nous. Alors, le premier mouvement, c'est un déplacement de côté. Je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Donc, je vais faire quatre pas vers ma droite. Et là, tout le monde fait quatre pas vers la droite. Donc, la ligne en face de moi, elle va aussi vers la droite, ce qui fait qu'on va se décaler, finalement, durant le premier mouvement. Alors, le premier mouvement, c'est très simple. En fait, toute la danse, c'est des pas marchés. Donc, tout simplement, droite-gauche, 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 et ainsi de suite. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4. Ici, par contre, le dernier pas, je fais juste le déposer. Alors, je ne mets pas tout mon poids dessus. OK? Donc, ça va faire ceci. 1, 2, 3, 4. Et au même moment où je tape le pied, je vais également taper dans les mains. Donc, ça va faire ceci. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose pour revenir. 1, 2, 3, 4, mais on tape en bas. Et on refait ça une autre fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prochain mouvement, on est face à face, donc ici. Et on va aller présenter à la personne devant nous. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Un petit salut comme ça sur le côté. Et on va présenter notre bras aussi. 1, 2, 3, 4. Donc nos coudes sont face à face ici. Et on revient, 2, 3, 4. On refait ça deux fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc la danse depuis le début, ça a fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Présente, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Maintenant, le dernier mouvement, c'est qu'on va changer de place avec la personne qui est devant nous. Donc, on va faire comme si on présentait. On vient juste de faire ce mouvement-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh, là, je suis face avec la personne qui se trouve maintenant devant moi. Et là, ben, je vais prendre sa place et je vais tourner dans l'autre sens, en fait. Et comme ceci, je reviens à sa place. Regardez bien le mouvement que j'ai fait. Donc, 1, 2, je tourne vers la droite. Et là, je change d'idée, je tourne vers la gauche et je reprends la place de l'autre personne. Donc ça, on le fait une fois. Donc toute la deuxième séquence, on va la faire à l'envers. Alors, ben c'est la même chose, mais juste de l'autre côté. On a nos quatre pas. 4. Présenter. Reculer. Encore. Et là, on va traverser. Hop, change de côté. Et là, à partir d'ici, on recommence du début. Donc, mes quatre prochains pas, je vais les faire de ce côté-là. Toujours vers ma droite. Donc, ça ne devrait pas trop changer. Et à présentation, reculer. Reculer. Et on change de place, change de côté, et on recommence ainsi de suite. OK? On est prêt pour essayer avec la musique. Je vais le faire dans cet angle-ci. Comme ça, vous pourrez peut-être me suivre un peu plus facilement. On imagine qu'on est sur la même ligne. Comme ça. Excellent, on est prêt, on se place, face à face. C'est parti! Présentation. Change de place. On recommence. Présentation. Change
première danse qu'on va vous faire aujourd'hui. Ça s'appelle Chibrélie et c'est une danse qui vient de la France. Donc, le pas de base de cette danse s'appelle le pas de raspa, comme la danse qui porte le même nom. Donc, dans la raspa, ça fait taram, param, param. Donc, c'est exactement le même mouvement qu'on va faire avec nos pieds, mais avec une autre rythmique. Donc, le pas va faire deux pas de raspa lent et quatre pas de raspa rapide. Donc, je peux vous faire un exemple avec la chanson de Chibrélie et Chibrélie. Donc, ça fait Chibrélie, Chibrélie. Là, c'est nos deux pas lents. Les filles sont malades. Ça va être nos quatre pas plus rapides. Chibrélie, Chibrélie. Encore nos pas lents. Elles n'en guériront pas. Ça, c'est nos pas rapides. La dernière séquence, on en fait seulement trois et non quatre. Pour vous montrer comment faire le pas, on va mettre les mains sur les hanches. On va mettre le talon droit. Chibrélie. Et là, on va faire un petit saut et on va déposer notre talon gauche. Chibrélie. C'est important de le faire sur chaque montre. Là, Chibrélie, Chibrélie. Donc là, on a changé de pied à ce moment-là. Chibrélie, Chibrélie. Super. On va faire ça, mais on va rajouter les quatre pas de raspa rapides. Fait Chibrélie, Chibrélie. Les filles sont malades. On va faire la même chose. Chibrélie, Chibrélie. Les filles sont malades. Chibrélie, Chibrélie. Elles n'en guériront pas. Donc ça, c'est la première partie. C'est la partie qui va se répéter pour tous les couplets. Ce qui va changer, c'est au moment des refrains, ça va être des mouvements différents. Donc le premier refrain, on prend... J'ai oublié de le dire, vous êtes face à quelqu'un pendant que vous faites cette danse-là. Donc moi, c'est comme si j'étais face à vous à la maison. Donc, je vais prendre les mains de la personne face à moi, puis on va faire une ronde par la droite. Puis on va changer de côté. Puis on revient face à la personne avec qui on danse. Puis on recommence. Chibrélie, Chibrélie. La 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 la. Chibrélie, Chibrélie. Na, 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 na. Autre refrain, on va faire un crochet. On va mettre les deux notes coude droit. Puis on va tourner. Et on va changer de côté encore. Et puis on recommence le couplet. Ta da tam, pa da pam, pa da pa 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 pam, pam, pa da pam, pa da tam, ta da ta 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 tam. Par la suite, on va faire ce qu'on appelle une étoile main droite, une étoile main gauche. Donc, dans la danse, on danse avec une personne, mais on forme aussi un cercle de d'autres duos. Donc, pendant qu'on fait l'étoile, on peut décider de faire une étoile avec le duo à notre droite ou le duo à notre gauche ou tout le monde ensemble. Donc là, on va mettre la main droite au centre, on va tourner tout le monde ensemble. Puis, on va faire la même chose, main gauche au centre. Et puis, pour la version de la musique que j'ai aujourd'hui, soit que la quatrième fois, vous faites une ronde, un crochet ou une étoile au centre. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Aussi, cette danse-là se fait face à quelqu'un. Donc, juste pour éviter de se cogner les pieds, on va toujours commencer sur notre côté droit. Juste s'assurer que le pied qui commence est l'inverse de celui devant nous. Donc, on ne fait pas version miroir, mais on fait vraiment version inverse. Donc, chacun son pied droit, chacun son pied gauche. Donc, on peut faire la danse avec la musique. On va commencer la danse les mains sur les hanches. Chibrélie, Chibrélie, les filles sont malades. Chibrélie, Chibrélie. Elles n'en guériront pas la ronde. Bye.
beaucoup pour le premier atelier et on se revoit la semaine prochaine avec l'atelier numéro 2.